Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés. Avant de continuer notre formation, j'aimerais que vous puissiez vous abonner en cliquant seulement sur les boutons s'abonner et clocher les boutons de notification pour plus d'informations. Ok, aujourd'hui nous allons apprendre comment développer un petit téléphone. Téléphone Itel 2160 de cette marque. Je vais utiliser ensuite le programme Miracle Box pour maintenant développer ces pareils téléphones. Regardez un peu. Il y a le mot de passe. Donc, aujourd'hui, on va voir comment checker un pareil téléphone avec votre programme Miracle Box. Soyez connecté et vous aurez toutes les méthodes dans CK TV. Ok, bientôt. On se dirige dans mon écran. Avant de commencer, il faut vous assurer que vous avez Miracle Box Thunder dans votre machine. Il est là. Il est là. Il est là. Ok. Après, avant de lancer ce programme, vous devez d'abord désactiver la protection de votre machine. Donc, vous antivirus, vous devez le désactiver parce que Miracle Thunder est considéré comme un programme malveillant. Je vais vous laisser le lien de cette application pour les télécharger. Ok, on se dirige moi à la méthode. J'ai le téléphone. Le modèle c'est. Il est là. 2160. C'est le modèle de téléphone que nous allons développer aujourd'hui. Ok, merci. Alors, après avoir. Il faut exécuter le programme en tant qu'administrateur. Menu contextuel sur votre vidéo, votre application. Allez sur exécuter en tant qu'administrateur et puis vous attendez jusqu'à ce que l'application s'ouvre. Miracle Box Thunder édition version 2.82. Donc inférieur à robot tout ça crate by GSM. C'est le site GSM ou l'entreprise GSM qui l'a craqué. Donc si vous avez besoin de télécharger cette application, je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo pour les télécharger avant toutes les applications ou les programmes de développement des téléphones, même les 3FR, le pilote d'installation de ces programmes. Je vais vous en laisser dans la description de cette vidéo. Ok, on avance. Il faut s'assurer que les pareils téléphones sont du type MTK, donc MediaTek. Ce sont des programmes de MediaTek. Pour les développer, appuyez sur le menu MediaTek MTK, il est là, je parle là-bas. MediaTek. Je vais d'abord lire les informations de cet appareil, donc de ce téléphone. Je vais d'abord lire les informations de cet appareil pour connaître est-ce que réellement ce programme peut lire les informations de mon téléphone ou bien le pilote d'installation de ces programmes ont été bien configurés ou pas. Alors, je vais mettre la pile. Je vais mettre la pile. Je vais cliquer là-bas sur read info, read info et start button là-bas. Ok, vous verrez que on dit waiting for USB port. Donc impatience des ports USB. Alors je vais appuyer sur les deux touches, les deux touches là-bas, là-bas et d'ici au même moment. Ok, comme ça je vais maintenant brancher mon câble, mon corde et directement il commence à lire, il lit. Ok, il me dit mon téléphone est bien sécurisé et bien lu par le programme. Comme ça là, je vais maintenant voir son mot de passe. Ou bien je peux le formater même. Mais je vais d'abord voir son mot de passe. Pour voir maintenant son mot de passe, il faut cliquer sur Read in Look. Cliquez là-bas. Et activer Auto Unlock. C'est bon. Comme ça, je vais maintenant débrancher et enlever encore la pile,
remettre encore la pile et appuyer toujours sur les deux touches. Enfin, cliquez sur le bouton Start et j'aime maintenant mon cocktail. Vous verrez que mon téléphone s'allume directement et là-bas, le programme est en train de lire. Vous voyez que directement j'ai déjà les mots de passe de ce téléphone, chers abonnés. Avec succès, les mots de passe de ce téléphone c'est 73 69. Le mot de passe est là. Ok, c'est très bien. On va maintenant vérifier si réellement les mots de passe marchent dans ce téléphone. Ok, j'enlève la pile et puis je remets la pile. Je vais maintenant tester le mot de passe. Si ça marche, on verra que la procédure a été bien respectée. Ok, le téléphone est toujours sécurisé avec le code d'utilisateur. Je vais essayer à taper le mot de passe 7369. On va taper 7369. Et lorsque je valide, on me dit déverrouler. Je vais réessayer parce que c'est un code utilisateur. Je dis 73 7 3 6 9. Et lorsque je valide, déverrouler. Pour plus de tutoriels sur cette méthode de déverroulage, je vous recommande de vous abonner sur ma chaîne et puis activer la cloche de notification pour avoir plus d'informations. Et je vous laisserai la description de cette vidéo, les liens et les tutos pour télécharger les différents programmes. Bienvenue, merci. Bye.